Ah putain, et on a un peu plus, on t'oublie. Non mais vraiment fou, hein. On teste les chroniques ce matin. On va voir un petit peu comment ça se présente. Il paraît que ça coûte moult tickets, donc testons ça. Vite! Oh, du lore! C'est ici. Je sens une forte énergie spirituelle. Ah, je la fais bien, la voix suave de Rouquin. Damn. Le sabre fend l'air. Prête, 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 prête. Pète, 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 pète. Ah oui, donc là on se retape. On se retape en fin de compte, d'accord, saison 1, épisode 1. Enfin, on se retape tout simplement le jeu 5 minutes après la fin du tuto. Très bien. Vous trouvez pas, vous devriez lui demander pardon, mon oracle sur le billet. Pardon, pardon, on fera plus, on fera plus. Ouais, 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 tout le monde connaît ça, hein, épisode 1, saison 1, tout le monde connaît. Hein. Ichigo Kurosaki, cheveux orange, yeux marron, profession lycéen et. Ah bah non. Ah non, c'est plus tard. Poète, 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 poète. Alors, le jour où je suis devenu Shinigami. Ouais, donc on se fait tous les épisodes quoi. Chapitre libre, d'accord. Souvenir d'un crime, grand frère et petite sœur. Ah oui, d'accord, donc en fait on se fait les épisodes. On joue les épisodes vraiment? Non, parce que là clairement c'est tous les épisodes là. Là, clairement, on joue les épisodes de l'animé. Ok. Tiens, il y a un truc qui est bloqué, là. C'est quoi, ça? L'arc suivant n'est pas encore disponible. Guetter la prochaine mise à jour. Ah, bah, super. Faut guetter David Guetta, quoi. Incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, personnage compatible. Bah, je les ai pas. Ça commence bien. Vous pensez bien que les Ichigo et Rukia 2 étoiles, il y a longtemps que je les étège. Par contre, Kelab, vous ferez juste attention. Il y a un petit problème d'ajustement des cartes sur le bord inférieur. Le skin du personnage a tendance à dépasser au-delà des limites de la carte. Ça commence à se voir. Alors, bonux. Ah, parfait. Dégâts x2, butin de fragment plus 100%. Je l'ai. J'ai. Donc, elle fait plus de dégâts et elle récupère plus de fragments. Donc, ça, j'ai. Vite. Poète. Ok, donc ça se présente comme ça. Très bien. Emplacement 1. Hein, allô? Bah oui, bah je veux bien. Ah oui, choisissez un personnage. D'accord, oh putain, la nouvelle interface. Score. Ok. Donc du stuff? Oui. On la stuff comme on veut ou... Ou il y a des restrictions? Ah non, apparemment c'est Osef. Très bien. C'est quoi ce... C'est quoi si Yuki level 1 attaque plus 2 du pif? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Au secours. Allô? D'accord, bon. On fera comme si c'était normal. On va mettre du temps de recharge avec des dégâts. On sait jamais, hein, si on tombe sur des adversaires coriaces, il y a un moment donné, faut qu'on arrive à les oxyre facilement et rapidement. Poète. Ah, quoi que, elle fait du soin, je crois. Elle a pas de temps de recharge de base, elle. Oh. C'est pas grave. Ouais. Hop. Ok. Et faut que je mette l'Ichigo derrière aussi. Genre, les buffs se cumulent. Ah, moi je vois bien. Hein. Je sais pas, hein, l'Ichigo TT, si ça match, why not, hein. Hop. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Puis en placement 3, tu veux que je mette un autre personnage derrière? Bah, si tu veux. Tiens, plaf. Voilà. C'est bon, c'est tout mis. C'est tout gagné. De toute façon, j'ai pas d'autres persos bonus. Non. Tac. Electro Gaming, ouais, je t'avoue, j'ai aussi. Ah, bah, j'ai même pas les prendre mes centorbes qui attendent dans la box, oui. C'est vrai. Alors, on va pas mettre d'amplificateur, on s'en bat les rognons. Catégorie tueur, pas de tueur, holo, hein. Ah, oui, d'accord. On peut switcher entre le killer dont disposent les mobs et le killer requis pour nous. Intéressant. Allez, c'est parti. Tu peux mettre la même perso en 5 et 6 étoiles pour plus de bonus. Ah mais j'ai pas d'autres versions de ces personnages-là en 5 et 6 étoiles. On va se démerder avec ça, c'est pas grave. De toute façon, il y a que Rukia qui engendre du drop de ressources. Alors comment ça se présente? Ça peut jouer en auto? Oh bah oui, largement, oui. D'accord. Ouais, par contre, accélère, ok, à un moment donné, ça va se voir tes histoires.
donne-moi la main, ça va passer vite là. Poète, 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 poète. Lol. Au revoir. Salut Pablo, ça roule. Terminé les rues de Karakura le jour où je suis devenu Shinigami une fois complété. D'accord. Alors. Bah bon. Ah bah comme ça. Mais merci. T'as un moult cristaux des gemmes. Oh. Ok. Eh, je vais mettre un drop cristalline qu'à la fin, hein. Fiche bondé. Ok. Bonus. C'est toujours les mêmes. Ouais, normal. Et si on met un drop cristalline qui à la fin, ça... Ah bah non, on peut pas. Du coup, on est bloqué sur des persos particuliers, là. Genre. Ah bah, genre. Eh bien sûr, on peut pas. Lol. Donc j'ai pas d'autres persos bonus qui proc. Très bien. Non. Non, je veux juste que... Voilà. Merci. Par contre, je peux peut-être l'équiper en cristalline. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne, ça? Attends, il faut que je vois, il faut que je teste si ça fonctionne. Est-ce que je peux mettre des cristaux, des drops de cristaux et de cans? Testons, hein. Encore une fois, c'est le stream du test, hein. Voilà, pote. Hop, on va faire des tests, hein. On va faire des tests. Mais la bite en bois. Voilà. À partir comme ça. Hop. Faire voir comment ça se présente. Alors. Paf. Paf. Hop. Et puis lolons un petit peu. On va loler. Salut Sakuto, ça roule. Et merci OC0 pour le follow il y a 10 minutes. Bon de Dieu. On n'a jamais remercié. Bienvenue. Quoi? D'accord. Oh, mais ça va se voir tes conneries là. Oh. Ouais, d'accord. Heureusement qu'on a de la gêne entre les tableaux. Ça passera quand même sur la fin. Raté. D'accord. Bravo. Le champion de l'esquive. Bon, on s'excuse, hein, j'ai à peine bu 3 gorgées de mon café. Hein. Ah oui, cette rouquille, elle est toute claquée, hein, mais oui. Ichigo, va-t'en! Non, le holo va s'en aller. Fishbone? Tiens! Bah, nique Fishbone! Paf! Tiens! Ça, c'est pour la peine que tu m'as bien cassé les noix en raid. Au revoir. Ah, je vais lui gonfler la moitié de mon... Il a tout pris. Incroyable. Le skin est classe, hein, mais alors le gameplay est tout claqué. Hein. Ah bah oui, ça marche. Ah bah super. Ah bah très bien. Lol. C'est Naysan. Ça roule. Alors, ensuite. La période je possède AI. Quoi? Déblocage de mission de chapitre. Quoi? Allô? Alors ça c'est du loot. Ok, c'est du loot ça. Très bien. Donc on gagne 10 orbes, 10 larmes, 5 potions. Ok. Et merci. Très bien. Déblocage possible. Eh bah ouais. Ok. Ah, la perruche. Oh, je parie que ça va être Chad. Chad, le perso bonus. Bien sûr. Conditions non satisfaites. Qui sont les persos bonus? Oh, wow. Moult Chad. Alors par contre, ouais. Pardon. Le fait de stuffer... À moins que les personnages restent. Attends. Si ça reste, c'est très fort. Sinon, ça va être chiant. Chad. Oui. Ça reste. Très bien. On est sur des conditions Senkai Montier. Mais putain, mais... Oh la vache, ça par contre, va falloir s'habituer à ça. Ici, on change. Chad. Hop. Allez.
Allez, il casse des fesses par paquet de 12. Hein. Allez, pif, paf, pouf. Pif, paf, pouf. Et puis, comme la meilleure défense, c'est l'attaque, et ben, voilà. Alors. Voilà, là, ça va commencer à tabasser sa grande maman. Les changements d'interface dans la dernière match fait plaisir. Ouais, mais je t'avoue que faut, c'est le temps de s'habituer. Hein. Il y a un petit pli à prendre, mine de rien. Donc là, c'est bon. Ok, pif, paf, pouf. Ok. Et ben, est-ce que... Ah oui, alors attends. Vraie info. Est-ce que, à tout hasard, par rapport à Chad... Ah, mais j'ai bien un Chad. Mais ce Chad-là, il est pas bonus. Secours. C'est marrant, mais là, les doublons commencent à prendre de l'importance. Hein. Ils sont tueurs de Monsby. Bon, c'est gratuit, hein. C'est gratuit comme level, hein. Très clairement, c'est gratuit. Hein. Hop. Moi, je peux pas faire la deuxième difficulté de celui-là, je suis verrouillé, je sais pas pourquoi. J'ai cliqué dessus et ça me l'a débloqué, moi. Je m'appelle Yuichi Shibata. Au revoir. Ouais, vas-y, Chad, c'est bon, on cogne. Hein. À un moment donné, faut que je boive mon café, moi. On se réveille. Hein. Ah oui, YouTube, pour toi, c'est dans l'après-midi, mais nous, on est tôt le matin, là. T'en rends pas compte, il est 7h du mat, là. C'est très très chaud. On est 200 personnes à 7h du mat, tu te rends même pas compte. Hein. Paf. Enfin, Chad, te fais pas geler, ça va se voir tes conneries à un moment donné. Hein. Par contre, les packs de mobs sont un petit peu plus denses. Paf. Appel chapitre 5 et j'ai dû claquer genre 60 sous le ticket. Allo Kenab ? Ouais putain. De toute façon ils ont pas dit que ça allait se faire en un quart d'heure. Hein. Ah il paraît qu'il y avait deux persos en face de moi. Wow ! Que se passe-t-il ? I breathe ! Qui nous subprime ? Merci beaucoup ! Incroyable ! Oh la vache, et bientôt il va falloir que je rajoute une 19ème emote à ce rythme là. Merci beaucoup ! Et salut Twinning FR, ça roule ! Il est 7h chez toi. Mais non, mais c'est pour loler la VOD. Non. Mais non, mais jouez le jeu. Faites comme si. Mais non, il est 11h quasi. 11h-10. En tout cas, un grand merci à Breeze. BreezeX, pardon. Ah. Alors pourquoi c'est verrouillé ? Complète. S'il y a des choses que j'aurais pas fait. Attends, mission, arc 1, machin bidule. Obtenez 15 fois le... Ah, d'accord. Ok. Ah oui, donc c'est pas genre juste tu te contentes de traverser le level, tu ramasses le loot et t'avances quoi. Non, t'as des conditions de drop et tout, d'accord. Ah, je comprends maintenant où est-ce que ça consomme des tickets. D'accord. Ah ouais, ah mais ça marche pas tout à fait comme ça. D'accord. Ah oui. Ah oui, alors faut bien faire attention à ça. Putain la vache. Oh les cochons. Très bien. Ah oui, je comprends mieux, oui. Il faut appuyer sur le petit cadenas. Le petit cadenas. Quel petit cadenas? Là. Terminé, Yuri Karakura. 1. 5 fois. D'accord. Pourquoi, je sais pas, mais admettons. Ah, mais en fait, j'aurais pu. Ah, mais en putain, on pouvait utiliser 5 sous le ticket. Vite. Ça m'en fait cramer un de plus. C'est pas grave. Ça va bien se passer. Salut pour Odun, ça roule. Hey Simda. Et merci IH Zodiac, un instant pour le follow, bienvenue. Pif paf pouf. Début de la galère. Et il vogue la galère, ma gueule. T'inquiète, ça va bien se passer. S'il n'y avait pas le x5, ce serait atroce. Je confirme. Eh, monsieur Lip, ça roule. C'est maintenant que les sous tickets disparaissent. En effet. Green Killer à son tour qui nous lâche le follow. Merci beaucoup et bienvenue. Pif, paf, pouf, paf. Allez, ça dégage. Ta-da-da-da. Ok, bon, pour l'instant, ça va. J'ai drop les iconés en une multi. Putain, nom de Dieu, sur du 3%. GG. Eh ben, c'est propre. C'est très très propre. Ouais, mais ça aurait été un non-sens, Pablo, maintenant qu'ils nous le mettent quasiment partout. Finalement, regarde, il y a que sur le Joreishi. Enfin, même non, même le Joreishi solo, on a le x5. T'imagines, ça aurait été un non-sens, quoi. Ok. Merci pour les potions. Chronique.
Il paraît qu'il y aura un nouveau personnage en récompense de la tour. Oui, effectivement. On a vu les annonces, on les a lues en début de stream, effectivement, oui. Poète. Ah, c'est bon, là, du coup, on a débloqué le nouveau mode. Enfin, le nouveau... la suite, quoi. Vite, la suite. Poète. Donc là, comme d'habitude, il faut le terminer une fois pour pouvoir débloquer. Eh ben, vas-y, Chad, passe à travers. On est 211. Incroyable. Putain, vous êtes chaud de bon matin, là. Unbelly Bubble. Le nouveau boss, il est niveau 65, bientôt ce sera des levels 120. Bah bougez pas, quand ils vont nous sortir les nouveaux modes de difficulté cauchemar, on aura des boss de fin qui seront level 170, on commencera à bégayer un petit peu, je pense. Non mais Chad, à un moment donné, voilà, fais quelque chose quoi, je veux dire, défensivement tu prends des tics à un dégât, mais regarde le dot, il t'enlève 500 PV, fais quelque chose. Par exemple, oui, t'aurais pu faire ça dès le départ, histoire de clean les deux packs de mobs. Non, c'est mieux de se prendre un deuxième tick dans le pif. Et merci DarkAlex884 pour le follow, et bienvenue. Ah, le Shrieker, un prochain boss, j'annonce, un prochain boss des Epic Raids. Ah. Pouette. Putain, c'est vrai qu'elle avait bien cette musique en plus. Putain, je l'avais oublié celle-ci. Incroyable. Ah ouais. Ouais. Cette musique d'attente téléphonique quand tu appelles SFR. Ah ouais, mais ça c'est valorisé. SFR de leur dire qu'ils ont une musique d'attente aussi quali. Arrêtez, hein. Ça suffit. Ah, cette musique elle est très très quali quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on retrace pile l'anime. On joue épisode par épisode en fait sur l'anime. C'est fort. J'aime bien le principe déjà. Poète. Alors, du coup, j'imagine que là, je peux pas avancer. Terminé. Shrieker, la pierre que je possédais 5 fois. Ok. Bon, c'est maintenant que les tickets s'envolent. Au revoir. Et mes tickets pour former mes potions là, ok là, vous y pensez pas à ça là, franchement. Oh là. Et mettez des tickets spécifiques par événement. Hein. Comment je forme mes potions moi, si je dois tout dépenser dans les chroniques qui me rapportent 5 potions une fois le chapitre terminé alors que j'ai déjà claqué 11 tickets. Vous rendez compte de la rentabilité? Au secours. Ouais, on va baisser parce qu'on va plus s'entendre un jour. Et merci Silvercrow pour le follow également. Bienvenue. Pouet, oh. C'est bon, le nom de chat est différent, c'est pas supposé. Yasutora Sado, bien sûr que si. Yasutora Sado, bien sûr. Classiquement. Chronique. Les nouvelles emotes sont quali de fou. Merci Proto. Et encore, j'ai pas fini, faut que j'en rajoute une autre parce qu'hier, les subgifters ils sont encore. En... Hein, voilà. Subgifters ils sont vénères, ce qui fait qu'il faut que je rajoute une 18ème emote. Alors. Merci pour les 10 orbes, les 10 larmes et les 5 potions. Les orbes, ça va, c'est correct. Par contre, vous auriez pu au moins multiplier par 2 les potions et les larmes. Hein. Quand même. Peut-être plus tard. Grands frères et petites sœurs. Orihime. Ah, quelle clairvoyance. Incroyable. Alors, hop, oh, oui, bah c'est alors. Alors, change. Donc, alors, attends. Quel personnage fait quoi, très concrètement? Dégâts butin fragment et dégâts fois 2. Merde, je regardais mon doublon de l'oreille et mes plages, c'était gagné. Oh zut. Oh, on perd. Putain, vous vous rendez compte de ça? On perd des bonus tout bêtement là. Oh, quelle indignation. C'est idiot. Oh, c'est vraiment idiot. Ouais, vas-y, Orihime, fais-toi plaisir. Paf, paf, pif, paf, pouf. Pif, paf, pouf.
Attends. Guine, c'est cadeau. Tendre puissante rapide, merci. Ouais. Ah mais c'est vrai qu'il y a un petit link ouvert à 10 exprès pour les raids. C'est bon. Ici on va mettre la deuxième Orihime. Non. Putain cette collection d'Orihime quoi, incroyable. Putain. C'est quand même malheureux de me dire qu'en dehors de la Orihime orange qui est la Orihime classique pour ainsi dire. Ah puis la Orihime aussi instinct. Sinon toutes les autres Orihime dont je dispose, c'est des saisonnières. Dingue. Eh ben c'est parti. C'est parti et merci. Et merci Papy Blanc pour les follow et bienvenue. Poète poète. Alors que mon frangin, hello. Souviens-toi de la blessure sur la jambe d'Inoué. C'était la marque que laisse un holo. Rappelez-vous, ça on vous en parle. Saison 1, épisode 3, vous n'en entendez plus jamais parler de l'animé ensuite. Rappelez-vous ça. Détail important. Alors pour le bonheur de vos oreilles, hein, bien sûr. Hein. Mon café, vite. Ça va se voir qu'il refroidit. Il y a juste quand on va devoir utiliser Oryu, ça va être un peu la misère parce que j'ai... Quoi ? Moi je préfère, ouais. Parce que le Oryu The Band, du coup je l'ai pas. Et je vous le parie gros comme une baraque que ça va être le Oryu qui proc dans les conditions bonus évidemment, en fragment x2. Et merci CC Maoul pour le follow et bienvenue. Pif pouf, au revoir. Salut Shadow. Si, Ulquiorra te laisse une marque, un trou. C'est audacieux ce que vous dites là monsieur. Alors paf. Poète, 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 poète. Salut Kuzalou, ça roule. Par contre, les 75 orbes après la match, je dis oui. T'as eu que 75 orbes, toi? Ah, l'autre est... Puni par Kelab, il a que 75 orbes, lui. Chais. Ouais, je me permets, c'est mon frangin. Alors, faut faire 5 fois la mission de Seymour. Très bien. 100 orbes, pardon. Ah merde, il en a eu 100 quand même. Ouais, ça va, ça va. Ouais, vous savez, l'amour fraternel, hein. Incroyable. Chut, tu te tais, je viens de me lever. 11h. Ah bah, bravo. Une belle heure pour se lever, ça. Ce follow train qui est en route, c'est incroyable. Merci Raphaël7492 pour le follow également. Bienvenue. Ah, elle s'est fait geler par le même mob au même endroit dans les mêmes conditions. Incroyable. Ouais, enfin, l'Astron 3, alors qu'il y avait un pixel du premier mob du dernier pack qui dépassait. Stratégiquement parlant, c'est pas ouf, quoi. À un moment donné, ça se voit ce genre de conneries. Hein. Par contre, ça va, le coup de bouée, ça marche toujours aussi bien. Poète, poète. Alors, potion. Potion de Link. Très bien, merci. Tu gagnes combien d'orbes? Tu gagnes 10 orbes par chapitre complété, semble-t-il. Attends. Attends, il y a plein de choses à récupérer, là. Voilà, terrassé, 300 ennemis. Mon sbis sur la commode. Oh, moult sous. Voilà. Obtenez 100 fois le machin, le truc, machin. Débloquer chapitre 2, tenir d'un crime, waouh, ok. Bon, on acceptera tout ça par la suite, hein. Pour l'instant, on avance. C'est Hajiju Pondo. Et merci Dragon Grey Kirito pour le follow et bienvenue. Coup de bouée, tu parles de celle qu'elle porte ou celle qu'elle possède de base? Ah oui, alors, est-ce qu'on parle de la bouée plastique ou des bouées vanilla d'Orihime? Ça, après, j'ai envie de vous dire, l'interprétation de chacun... Et propre à chacun, justement.
Mais voilà qui va me consommer mes 6 derniers tickets. On sera déjà arrivé au bout, YouTube. Incroyable, t'as vu, ça va vite. Hein. 25 tickets, paf. Deux premiers chapitres. Au secours. 3. Bon, heureusement, j'ai quelques stacks de tickets dans la box, mais pas énorme. Hein, pas énorme. Hein. Et les mineurs, fais gaffe. Oh, la version plage, j'ai un doute. Comment on en prend plein le cul? Quoi? Ah, d'accord. Ça va se voir, Aurimé, à un moment donné. Hein. Il faudra y aller. Hein. T'es sûr que tu veux pas laisser faire la version vénère instinct? Non, plutôt, non, je sais pas. Ouais. Ça va se voir. Hein. Non, ça se voit déjà en vrai. Hein. Attention, il y a des gens qui regardent Aurimé, là. C'est. C'est pas ouf comme prestation, quoi. Tu vois, à un moment donné. Ah! Tiens, le frangin! Paf! Mange mon rayon de soleil! Au revoir! Yamete! Oni-chan! Elle avait 16 ans, mais elle en faisait 21. Au secours! Bifafouf! Hop! Eh, hey, c'est derrière que Sam, ça roule! Et poète. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une condition de terminer l'event 55 fois Ah ouais, non, c'est 10 fois. Ah oui, non, mais toujours plus, quoi. D'accord. Ok. 10 fois. Ouais, bah d'accord, ouais. Ouais, bon, on va aller chercher les tickets. Hein. Vous savez quoi? J'en ai laissé qui traînent dans la box, là. Hop, merci. 6 tickets. Hein. Au secours. Ok. Bonjour roi. Et merci SkyKnight39 pour le follow et bienvenue. Salut Balou, sa biche. Adieu, coucou. Bon, je vais le faire en manuel hein, parce qu'à un moment donné. On joue au bowling. Je joue au bowling. Bueno Jutsu, au revoir. Salut. T'as que ça, t'es dans la merde. C'est pas grave. Les tickets, ça se recharge. Hein. C'est pas bien grave. Poète. C'est un aspirateur à tickets, le bordel. Ah, je confirme. Ce mot, ils auraient dû l'appeler Dyson tellement qu'il aspire tes tickets. Tu m'étonnes. Parce que là, punaise, chapitre 3, au secours, on va faire 10 fois les mêmes missions. Allô? D'accord. Raté. Au revoir. On active le speedrun. Hein. On active le speedrun. Hein. Ouais. Voilà, on active le speedrun. Hop. Pif paf pouf. Ah, attendez. Je crois que j'entends un truc. Pas du tout. Tout va bien. Alors, chronique. Bon, du coup, on a plus de tickets. C'est fini. Fini les tickets. Alors, du coup, paf. Est-ce que ça, c'est débloqué? Alors, oui. Alors, obtenez 20 fois un machin bidule, terminez acide voyeur le grand frère, truc mèche bidule, mon sbi sur ton front. Ça fait un beau dindon. Très bien. Ok. On se souvient d'un crime. Donc, c'est donc débloqué. Poète. Musique triste, incoming. Ah, il y a 3 chapitres. Toujours plus. C'est quoi les conditions? Obtenez 20 fois le petit fragment. Ok. Très bien. C'est quoi les conditions? C'est qui le personnage bonus? C'est Shigo? Oui. Et merci Pierre CND pour le follow, bienvenue. Poète. Il y a l'Uchigo TT qui va servir de faire valoir, très bien. Alors, paf. Bon, j'imagine que le main, ça va être Ichigo TLA. Bien sûr. Checkons les bonus. Dès qu'il faut de butin le fragment, très bien. Pff,
D'accord, le Ichigo T est là de la gratuité, hein, très clairement. On va lui mettre du vrai stuff, hein, quand même. On va se respecter deux secondes. Poète, poète. Poète. Où Chappy ? Ah, Chappy. Qu'est-ce que j'ai autre comme item d'attaque ? Je sais pas grand-chose, en vrai. Ouais, petit Aori. On sait jamais, hein, des fois que l'événement serait compliqué, dur, tout ça. Voilà. Il faut vraiment qu'il puisse tanker un minimum. Hein. Poète. Hop. Ouais, j'aurais pu lui mettre le Renji aussi. Ouais. Allez. On va au moins faire le premier niveau. Pas de x2 au loot, hein? Bah, dégâts x2, butin de fragment plus 100%. Bah, si, c'est bon. Ça match? Et merci Quentin Dorf pour le follow et bienvenue. Laisse un stuff au pif. Ouais, mais moi j'aime bien avoir un perso, tu sais, qui est vraiment, voilà, qui part dans les conditions optimales. Lit en entier. Bah, quoi, lit en entier? Quoi? Version 6 étoiles. Eh ben, dégâts x2, butin de fragment plus 100%. Qu'est-ce que je lis pas bien? Qu'est-ce que je lis pas bien, chère cause? Je veux dire, c'est quand même relativement clair. Dégâts x2, butin de fragment plus 100%. Allô? À moins que je sois subitement devenu con. Ça étonnerait personne, soit dit en passant, mais bon, sur le moment, on va se calmer, quoi. Alors, paf! Allons-y. Dans Cimetière 2, tu peux avoir que un seul perso sur 3. Tu peux pas en mettre d'autres. Ah! Bah, t'as intérêt d'avoir le bon, alors. Paf! Ah oui, c'est vrai qu'on est en manuel. Allons-y. Paf, 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 paf. Ah bah d'accord, oui, bon, ça va être du découpage, quoi. Hop. Ah bah, tous les packs de mobs sont déjà là. Tiens, c'est étonnant, ça. Tiens, c'est marrant, ça, que tous les packs de mobs aient déjà pop. D'accord. Tiens, non. Voilà, et dans l'anime, il n'y avait pas autant de holo dans le cimetière de Semar. Ah, non, 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 tu me sautes pas dessus comme ça, toi. On se fixe. Au revoir. Merci. Alors. Alors, du coup, on a rempli des missions. Allons chercher des missions. À relever le défi terre à ses 400 ennemis de la catégorie holo. Bon, ça va se faire au fil du temps, ça. Donc là, c'est moult argent. Le fric, c'est chic. On l'adore. Donc on le prend, bien sûr. Alors. Du coup, je peux pas aller plus loin. J'ai plus de tickets. Ah, il y a des ordres qui ont été réalisés. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, mais ça, c'est des ordres. Oui, connard. Bon, on peut plus rien faire. On est déjà arrivé au bout. Faut aller racheter des tickets. Bah, la flemme. On va attendre qu'ils se rechargent à un moment donné. Hein. Oh là là. Alors, par contre, ce qu'on va aller voir, c'est le shop. Examinons le shop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Disponible jusqu'au 31 juillet 2019. Alors, on en a 12 bronze, 86 argent, 94 or. Très bien. Alors, et ça coûte quoi, tout ce merdier, là? Une clé d'ouverture, ça coûte 50. Très bien, on peut en acheter 3. 3 volontés du Ogyoku pour 60 pièces. Un Ogyoku pour 50 argent. Ouais. Les potions... Ah bah putain, ils sont pas donnés les potions. La vache. 5 larmes instinct, ça coûte 20 sacs dorés. Allô? Hein? Bah, pourquoi il y a des valeurs différentes selon les larmes? Quoi? C'est ridicule. Bah, c'est quoi ce bail? Allô? Pourquoi il y a des valeurs différentes selon les larmes? Puis x5? Bah attends, t'achètes des potions x10 au-dessus et les larmes x5? Qu'est-ce que c'est que cette indignation? Bah... C'est quand même pas super, super logique, quoi. Enfin... Allô? Je n'ai pas compris, quoi. Très bien. Accessoires. Pff, bah, les cœurs 4 étoiles, t'es sûr, au moins, j'y toucherai pas. Par contre, le pinceau de réécriture... Ouh, va vraiment falloir s'accrocher dessus pour l'avoir. Hein. Par la vache, 42 chèques. Ah, c'est pas donné, quand même. Hein. Après, là, on dit ça maintenant. On a fait que les 3 premiers chapitres. Hein. Une fois qu'on sera rendu au bout... Si ça se trouve, ça va devenir rentable. Hein. Ah, les tickets de loterie. Ah, ils vont pas te les cracher comme ça, les tickets de loterie. Hein. Oh putain. Ah ouais. Ah, ils vont pas te les cracher comme ça. Hein.
Mais il me les faut ces tickets. Attendez, il y a un moment donné, on est censé pool pour les 4 ans avec un maximum de tickets de côté. À un moment donné, il va falloir que je focus les tickets, quoi. Oh, des... What? 950 pour les stacks de 25, mais ça va pas la tête. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont? Putain, la fumée, la... Putain, mais elle est bonne la moquette chez vous? Mais ça va pas la tête. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bail? 950 stacks de chaque pour 25 putains d'orbes disponibles une fois? Quoi? Allô? Mais ça va pas, non? Ah, cette moquette de qualité! Bon, le premier encore, là, ça me semble legit. Bon, 150 de chaque pour 25 orbes, bon, voilà, voilà, y a pas de problème. Ça, ok, je valide, je comprends, je pourrais même défendre l'idée. Mais 950 de chaque? J'espère que dans les derniers niveaux de l'event, on en gagne plus que ça, des sacs à pognon, là, parce qu'à un moment donné, ça commence à se voir que c'est... connard. Au secours. Des grands cristaux d'XP. Oh la vache, et les stacks de cristaux d'XP, t'as vu ce que ça coûte, quoi? Au secours. Hein, quoi? Ah, tiens. Ah, il y a une bourse de... Ah, ça, par contre, c'est pas con. Ça, par contre, c'est pas con du tout, ça. Genre, il t'en manque, tu sais, t'es en excédent d'un côté, il t'en manque de l'autre, tu fais une conversion, ça, je trouve ça pas con. Ouais, par contre, putain, à chaque fois, t'en perds 5 pour en faire 1, ouais, bon. Ok, hein. Ok. Hein. Et Now, bien... Je croyais que t'étais déjà follow, moi. Bah écoute, bah, maintenant, on l'est, hein, bien, maintenant, on est sûr que tu l'es, bien, bonjour et merci beaucoup. Et un genre double YouTube, hein. Merci beaucoup et bienvenue. Hein. Donc je comprends pourquoi il y a une période aussi longue pour farmer tout ça. Parce que mine de rien, c'est que si tu comptes dépouiller le shop, moi je vous avoue, j'aurais vidé approximativement 77 fois le shop des Epic Raids avant que j'ai fait au moins un vidage complet du shop des chroniques, hein, soyons clairs. Hein. Là-dessus, voilà. Hein, bon, je pense que je vais me défoncer un peu pour les tickets, mais alors, et à un moment donné, farmer 1100 stacks de chaque pour gagner 50 orbes. Tu me laisses juste faire mes QDG d'aujourd'hui, je suis sûr que j'en gagne au moins déjà la moitié de ça, quoi. J'arrête pas d'en gagner tous les jours des orbes en faisant mes QDG, donc à un moment donné, voilà, quoi. Mais je pense que, ouais, les tickets, je vais les poncer, hein. acheter tous les tickets d'accessoires, ça coûte moins cher que d'acheter un stack d'orbes. Au secours. Ouais, je dis pas que je peux pas les pinceaux aussi, tiens, allez, 42 chats, quoi, ça peut être jouable. Faut voir, parce que là, on est, encore une fois, c'est le loot que l'on a en early sur les Crusades, c'est le loot qu'on a en early, donc... automatiquement, par rapport au peu de ressources qu'on a déjà accumulées, on a tendance à se dire que, wow, putain, mais ils abusent, ça fait beaucoup, machin, bidule. Et quand on sera rendu à la fin, hein, qu'on n'aura rien dépensé, quand on sera rendu à la toute fin, on dira peut-être pas pareil, hein. Par contre, moi, pour moi, ce qui reste encore un grand mystère, c'est qu'est-ce que c'est que ce bordel d'avoir des valeurs différentes selon les larmes, quoi. Quand même chelou. C'est quand même chelou. Et pourquoi il y a encore un... Putain, mais il y a des rémanences d'alerte, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bail? Ok. Crusade? Comment ça, Crusade? Quoi? Pourquoi vous me parlez des Crusades? Allô? Alors, là, vous êtes sur un autre stream, très bien. Nous sommes sur Beach Brave Souls. Voilà. Bonjour, et bienvenue. Hein. J'ai actuellement 2300 ans, il y aura combien de steps pour les 4 ans? On n'en sait rien. T'as dit Crusade de 8 chroniques. Ah, pardon. Pardon. Donc, oui, ça commence à se voir que j'ai pas fini mon café, en fait. C'est ça que vous me dites, quoi. Très bien. Bon. Et ben voilà, YouTube. On va te laisser là-dessus pour cette découverte, effectivement, des chroniques. Hein. Donc, comme tu peux voir, c'est très... ça dévore du ticket à n'en plus finir. Et le shop, en termes de rentabilité, ça dépend de ce que tu prends, mais au secours. Donc, on va prendre le temps, effectivement, d'aller poncer tout ça, parce que, mine de rien, il y a quand même moult choses. L'entraînement d'Urara qui est tout libre, et à la fin, on a un chapitre... Enfin, qui est tout rouge, et à la fin, on a un chapitre libre. Hein. Je suis curieux d'arriver à la fin pour voir ce que c'est. Si tu veux voir la suite en VOD, YouTube, hein, surtout, tu n'hésites pas. Tu sais où trouver le champ commentaire pour t'exprimer sur tous les besoins et attentions que tu souhaites que je te porte. Bien sûr, tu n'hésites pas comme d'habitude. En attendant, on te fait des gros bisous et on te dit à très bientôt. Chou YouTube !